Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle exo-survie, la numéro 11, et je suis toujours en compagnie de mon fidèle compagnon d'infortune, Jésus. Salut Roda, salut tout le monde. T'as vu cette intro qui pèse un peu dans le game? Attends. Après avoir tué froidement plus de 1000 créatures, Rodarius arrive enfin sur Call of. Ah là là, putain, il était mythique bon. Celui-ci. Après avoir tué plus de 1000 créatures, c'est... le mec il s'en va les couilles. Et puis surtout les mecs ils sont allés voir ses scores, t'sais, genre dans les... le journaliste. Ouais, faut expliquer le contexte, c'est encore une émission à la con, c'est tellement vrai, confession intime et tout. Enfin, là c'était Pascal, SOS, ma famille a besoin d'aide. Ma famille, après qu'il soit passé à Pascal le grand frère et qu'il ait pété des tronches, il était là, il fait ok je te redresse mais je te pète ta gueule. Ben là, il a arrêté de péter des tronches. Enfin, si, il continue à péter des tronches d'ailleurs. Oh, il est bouillant le Pascal. Ah, il est chaud. Pascal, lui, il craque pas. Il remet la violence familiale au goût du jour, le mec. Par contre, on va pas faire de la pub pour Energy 12 à chaque épisode non plus, ça va. Ouais, ça va aller. Mais non, mais Confession Intime, c'est NT1. Donc tu vois, on est là. Voilà. Ça passe aussi sur Energy 12, il me semble. Ah non, c'est NT1. C'est tellement. C'est seulement. Energy 12, seulement tellement vrai. Juste avant le bon vieux film érotique. Juste avant le film. Ouais, exact. Avec Mike Guyver. Ah, il m'avait choqué ce film. Il y avait un berger allemand, il y avait Mike Guyver. Bon, bah, il m'en fallait pas plus. C'était un moins de 16. Tu t'es dit, c'est un bon film d'action. Non, c'est un bon film. C'était, voilà. C'était un bon film. C'était en plus, tu sais, ces noms de films érotiques, ils sont toujours trop merdiques, tu sais, genre... Elle court, la rumeur. Je te jure, la vérité, un jour, je suis tombé sur un film comme ça. C'était pas un film érotique, c'était un téléfilm M6. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Moi, en nom de film de cul, il y en a des corrects, hein. Genre Blanche-Fesse et les sept mains, La Belle et la Bite. Le seigneur des anus, la communauté du coït, voilà quoi. c'est l'émission sans tabou épisode 2 là, hein, vu comme on est bouillant là. Pourtant Roda, faut savoir qu'on a fait des, parce qu'on touche plus du tout à la survie de Call of, enfin on vous fait les vidéos mais c'est tout là, c'est le 11e. Et pourtant, Roda, il était pas chaud au début. Oh, on s'est mis sur Call of, il est petite forme. Ah ouais, petite forme. Écoute, ta bonne humeur et ta bonne entrain m'ont réveillé. Hein. Ah, surtout que t'as eu l'idée du siècle juste avant cette vidéo. Donc. Ah oui. Ah, est-ce que. Nous n'en dirons pas plus. On va juste faire une modeste forme de teasing et vous dire que bientôt, une révolution est en marche. Ou une dévolution plutôt. Bientôt, on va créer une série où il ne faudra pas juger sur le skill, car là, pour le coup, on n'a aucun. Je veux dire, c'est pire que moi sur GTA et tout, c'est atroce. C'est un jeu bien connu. Et on va se mettre dessus et on va vous envoyer, mais au 7e ciel. Au 7e ciel de l'humour. Là, ce sera même plus. Et du trolling. Là, ce sera du rêve, même plus en pack de 12, mais en pack de 36. Bouah! Tu ramènes carton chez ta mère et tu fermes ta gueule. Mais qu'est-ce que tu regardes? C'est vachement grossier, ta gueule. C'est Rodarius et Jésus. Oui, bah tu me coupes ça tout de suite. Tu me coupes ça. Non, mais faut savoir, les gars, un conseil, quand vous mettez une vidéo de nous, vu que ça peut partir en vrille, pour les plus jeunes, sans déconner, assurez-vous que vous. Je vous dis pas de pas regarder, moi je m'en bats les couilles, mais. Mais par contre, assurez-vous que vos parents ne soient pas à côté de la télé ou enfin de la PC ou. Oui. Puis leur montrer. Les gars, vous allez. Leur montrer pas. Même s'il y a des vannes, même s'il y a des vannes que vous ne comprenez pas dans ce qu'on dit, faites attention, vos parents eux comprendront. Ouais, je pense. Ouais. D'ailleurs, j'avais une vanne à propos des vannes, un vieux truc qu'on avait inventé avec un pote, mais c'était vraiment une blague de merde. Non, mais ta gueule. Qu'est-ce que c'est un bus d'humoriste? Qu'est-ce qu'est un bus d'humoriste? Ouais. Bah c'est un bus d'humoriste. Ben une caravane. Une caravane, tu vois. aïe. Oh là là. Ah ça pèse. Ah, oh là là, t'as vu. Ah man, c'est un belge. C'est un belge. Il discute avec un japonais. Ouais. Ah oh, putain, ça y est, il nous l'a refait. Et le japonais, il lui dit. Mais j'en ai marre. Je pourrais jamais être un cheval. Et le belge il lui répond, bah c'est normal, t'es des japonais. Voilà. Allez, bonne soirée, bisous. Voilà, déjà, il nous l'a... Alors ça, il faut savoir qu'il nous la sort au moins une fois par jour. Hein.
Et d'ailleurs, Ah ouais, quand on est sur et d'ailleurs, avec Sion. juste avant, il s'était trompé, il avait dit, il avait dit, J'ai fait la même chose, mais avec un chinois en avec un fait. chinois, donc du coup ça Ah. marchait pas. Je fais, oh, espèce de raciste, tu mélanges tous les asiatiques. Le truc pas bien, le truc pas bien, le truc moche. Du coup, ça marchait pas, ouais. Avec un chinois. J'espère que j'ai mis le bon niveau de difficulté parce que j'ai l'impression que c'est easy là en fait, non? Bah, si tu l'as pas touché, ça devrait Non, mais être je le l'ai pas bon. touché, mais Bah, ça devrait être le bon niveau de difficulté, du D'accord, coup. non, bah c'est juste qu'on est bouillant, c'est juste qu'on est bouillant. Ah, mais on est. Ah, mais là on est chaud, là. Là, quand on est lancé, quand on est motivé comme ça, rien ne nous arrête. Et on va crever en manche 4, tu vas voir. Ça va être Nous, tellement. on va créer un roster sur Call of Duty aussi. On va créer le roster Péon for Win. Péon for the win. Une team. Tous nos teams seront basés sur la péonitude. Moins vous avez de skill, plus vous avez de chances de rentrer. Voilà. Donc les PGM et tout ça, passez votre chemin. Quoi, t'as deux de ratio et tu comptes rentrer. Non, 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 mais arrête-toi. Quoi, t'es sniper en plus? Oui, bah, je m'en bats les couilles. Tu rentres pas. Tu Moi, rentres pas. au-dessus de 0,50, tu ne rentres pas. Fais demi-tour, tu baisses les yeux. Tu baisses les yeux, frère. Déjà, moi, j'ai 0,86 de ratio sur Call of. Bon, on a hésité à la créer, la team. On C'est a, on trop. est, on a, on était à deux doigts de se dire qu'on était trop bon pour ça, mais non, finalement. Ah, moi je suis à 1,21 quand même. Ah oui, non mais toi t'es pas non mais toi t'es pas mauvais. Non, moi je suis une bite, faut le dire. Ah, Qu bah. Quoique les dernières games que j'ai fait, j'ai l'impression que moins j'y joue, mieux je me débrouille en fait à jouer. Mieux tu. Mieux C'est tu. Moins moins tu joues, mieux tu te portes, c'est ça? Ah, mieux je me porte, oui, mais oh! Et ben voilà. Ah, ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit, manche 4. Alors là, ça va être chaud pour moi, frère. Hein. Par contre. Mais non, non, viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Attends, impossible de placer le drone ici. Attends, 5 secondes, quoi. Pourquoi je peux pas monter le trottoir? Mais genre, le mec qui rampe, c'est un soldat, mais je peux pas aller chercher munitions max, quoi, fils de pute. Parce que tu peux pas squatter les trottoirs, c'est pour les thugs, t'es pas un thug, toi. C'est pour les thugs herbes, tu vois. Bam! Je me relève et voilà, direct. Bon, on voit pas mon gameplay, mais enfin, heureusement. Heureusement qu'on voit. Non, mais non, mais en plus, les parties d'avant, t'as mieux joué que moi en survie, Ouais, j'ai mieux joué que toi, mais justement, c'était miraculeux, tu vois. Il y a un moment. donc. Ça relevait du petit miracle. Là, tu fais comme 36 frags, j'en fais comme 18, quoi. Ah ouais, mais moi, c'est dès qu'il y a les caméras, je suis bouillant, tu vois. Ah ouais, Je suis toi, t'es l'homme de. un petit peu la Nabila des jeux vidéo, quoi. Dès qu'il y a des Alors, que vous caméras. dire sur cette map, tant qu'on y est, parce qu'on va faire un petit peu de sérieux quand même dans nos vidéos, merde. Ah Parce que j'ai non! remarqué que sur nos vidéos, on ne parle plus du tout de jeux vidéo, en fait, mais pas le moins du monde, Ouais, quoi. donc du coup, pour caler le son et la vidéo, c'est hyper compliqué. Tant mieux, comme ça même quand les frags sont décalés, c'est pas grave. Non mais non, par contre cette map, je pense qu'on est tous les deux pareils, c'est-à-dire que cette partie où on est, et d'ailleurs où on reste, il me semble pas que l'hôtel s'ouvre en survie, enfin ou alors à une certaine manche Je sais qu'on pas, n'a pas atteint. je saurais pas du tout te dire, mais ouais. Mais en tout cas cette partie-là on l'aime bien, ça va, enfin moi elle me dérange pas trop quoi. Non, Par contre la mais. deuxième partie de la map. Non, mais ouais, mais même moi, je trouve elle me casse un peu les dents, Recovery, quand même. Hein, Ouais, non, c'est loin d'être ma préférée, mais elle est pas. Enfin voilà, après, c'est pas non plus. elle me saoule rapidement. Il y a des mecs qui zonent, qui campent un peu partout. Mais en fait, le principal où ça campe et où ça me gave, c'est dans l'espèce de salon rond, là, tu sais, quand tu montes. Ouais, quand tu montes sur le côté, là. Alors là, Oh génial. putain, c'est les drones! Vous avez vu une dose de non-skill assez Aïe, élevée. aïe, aïe. Mais moi, les drones, mais ça y est, j'y arrive plus, quoi. Moi, J'y je suis les ai. arrivé tout à l'heure. Deux chargeurs et je les ai pas touchés. Les gens doivent. Les gens... Ah putain, je suis à terre, c'est bon. Ah bah c'est bon, on a perdu. Non, je suis dans un petit truc. Je suis à l'abri, je suis à couvert. Si tu rushes vers moi, tu peux m'atteindre, je suis à couvert. Ah ben, je monte les escaliers, moi, par contre. Tu vois? Je suis à couvert. Non, j'ai vidé deux chargeurs et j'ai absolument atteint aucun drone. C'était magnifique. Les gens vont se dire, bah, vous êtes vraiment des merdes. Ben oui. Eh bah oui. Sache-le, on est des merdes. Par contre, non, mais c'est abusé parce qu'ils bougent à une vitesse, quoi. Ou alors, je sais pas Ouais, si puis j'ai non mais puis ils font trop mal, ils du font. lag et du décalage, quoi. Franchement, là, je l'avais, là. Là, il y était. Là, pour moi, il y était, mais c'est pas Oh grave. oh. Voilà, c'est bon. Voilà, stabilisé, quoi. Voilà. Et voilà. Putain, je fais deux Eh. frags, quoi. Ah ouais, j'en fais 5 quand même, hein. Ouais, non, mais j'étais, je te dis, j'étais à la ramasse complet là. Franchement, les drones.
Ah mais les drones, moi c'est mon point faible. Hein. Enfin, ouais. Tout est mon point faible de principe. Mais et les drones, c'est pire. Ah, c'est le pire du pire. Ah, tout à l'heure, hors caméra, on a fait quand même une petite manche 12. Ouais, une manche 12, non, une manche 12 convenable. Oui, ça va, ça a été ça. Oh, putain. Oh non. Ah, le truc de liaison satellite. Avec des drones et tout, quoi. Ouais, mais là, c'est la fin des haricots, là. Mais ils ont vachement compliqué le truc, quand même. Ah, ils ont carrément compliqué le truc, ouais. Par contre, je vais me mettre à l'abri parce que j'ai encore magnifiquement raté un drone. Oh putain, il y avait un mec qui me tirait dessus. Ouais. Putain, les mecs au sol, j'ai pas de mal à leur viser, les trucs, mais alors les drones, quoi. Putain, puis ils ont grenade tout, quoi. Ah non, mais ils rigolent. Ah, les mecs, ils rigolent zéro. Ils ont décidé de... Ils ont dit, on arrête les conneries. On arrête de prendre les cons pour des gens. Oui. Oh, tu l'aimes bien, celle-là. Hein, celle-là, je la kiffe. Celle-là, elle me régale. Elle me régale tout. Ouais. Je sais plus qui c'est qui l'avait sorti, mais elle est drôle. Voilà, et c'est le but. Yes, t'en as... Ah putain, 1 sur 4 quoi. Le temps que j'aille après, chercher... Après, il y a 4,5 restants. Hein. Ouais, bah oui, mais là c'est easy. Vas-y, je vais la choper, moi. Tu vas la choper? Ah bah vas-y. Ouais. Je me charge des malotrus, des malandrins restants. Vas-y. Putain, par contre, voilà. Comment on lance déjà? C'est sur la touche... C'est sur la touche comme si tu tirais. Tout simplement, tout bêtement. Ouais. Allez, le but, comment 98? Vas-y, je la chope. Vas-y, chope. Fais-toi plaise, mon ami, fais-toi plaise. Fais gaffe, dépêche-toi, parce qu'il reste une trentaine de secondes. Tu as intérêt de viser droit et de viser juste. Ouais. Allez. Vas-y, chope-la, putain, on n'aura pas le temps. Je vais la choper. Ah, là, on n'aura pas le temps. 13 secondes. Ah, je sais pas. On n'aura pas le temps. Faut que tu lances. Ah, mais attends, elle est toute à l'intérieur. Faut que je te fasse une passe. Putain, c'est fermé par ici. Oh, on va fail. Oh non. Une seconde. Oh là là, arme neutralisée. Oh putain. Alors là, ça va être la galère. La truand de la galère. Ah, les truands de la galère. Là, faut courir et attendre de récupérer tes armes en fait. Non, mais c'est ça, hein. Oui, c'est ce que je fais de façon tout le temps. Tu poses une petite... Ah ouais, d'accord, tout est désactivé, je peux même pas activer les tourelles, c'est génial. Qu'est-ce qu'on se marre. Et d'ailleurs, en parlant... Ah ouais, ils ont les armes lourdes en plus. Ouais, ils ont les armes lourdes. En parlant de truand de la galère, une fois, on parlait de films, et on parlait de vieux films anciens, tu vois. D'ailleurs, dédicace à Thomas, qui nous regarde souvent, qui est un grand ami à moi. Et tu sais, il y a un film qui s'appelle sur la crise dans les années 30 qui s'appelle Les raisins de la colère. Ouais. Et lui, il m'avait sorti. Ah, tu veux parler du film Les rats de la colère? Les rats? Les rats de la colère. Les rats? Je sais pas, mais du coup, j'ai trouvé ça assez mythique et c'est resté. Ah bah, les rats en colère, ça rigole. Ça ah, rigole mais les rats de la colère, ça c'est moi, le mien, quand il est en colère, les miens, quand ils sont en colère, je suis pas le malin. Ah bah, ils ouvrent la cage. Hein. Bah ils ouvrent la cage et ils te regardent en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il y a toi, tu trouves un thug. C'est clair, ou alors des fois ils sont à moitié buggés, paralysés là, comme quand j'étais chez toi, ils étaient à moitié... Ouais mais ils ont trop pris de... Ils étaient sous le... La drogue c'est mal tu vois, la drogue. Ouais c'est clair, on dirait qu'ils étaient raides quoi, ils étaient là... Sacré rat. Non mais l'autre matin en fait pour la petite anecdote, mon rat il a ouvert sa cage tout seul, enfin il y a un de mes rats qui a ouvert sa cage tout seul et le rat de ma copine en plus il est monté. Ouais. Il est monté en haut de sa cage et au moment où j'ai voulu la refermer, il a posé la patte sur la porte de la cage, tu vois, et il m'a regardé en mode t'as un problème. Voilà, ça m'a fait délirer le matin au réveil, tu vois ça. Ne referme pas cette cage. Du coup, je l'ai défoncé, je l'ai bouffé, voilà, c'était bon. Voilà, j'ai bouffé du rat. tu l'as donné à bouffer à des rôdeurs comme dans The Walking Dead. Voilà. Pauvre rat. Ah d'accord, on n'a rien eu comme... Ah oui d'accord, c'est les invisibles. Ouais. Alors ouais, non mais clairement, c'est vrai qu'ils ont vachement... je trouve qu'ils ont vachement corsé les difficultés quand même. Bah ouais, moi j'ai l'impression. Hein. Après ouais, c'est peut-être une impression, hein, je sais pas. Peut-être que c'est qu'en fait on est juste devenu plus nul. Dites-le. Bah nous. Ouais, non mais c'est parce qu'on jouait beaucoup plus à Call of aussi. Réagissez, dites-le dans les commentaires.
Soyez offusqués. Mais non, ils les ont pas augmentés. Si après, après, je vais te dire, là, pour l'instant, on n'a pas eu de grosses difficultés pour l'instant. Et on est déjà manche 8. Hein, des vidéos où on fait manche 8, il y en a masse, gros. Hein. On est les rois de la manche 8, nous. Hein, on rigole zéro. Hein. C'est vrai, non mais c'est vrai en plus que des accessoires. J'étais en train de regarder les accessoires d'armes, j'ai des accessoires. Que des vidéos, on fait manche 8, il y en a plein. C'est vrai. Quand on n'est pas trop chaud, on fait de la manche 8. Non mais à la base c'était dans une optique de découverte des maps quoi, mais bon après. Ah maintenant ça fait trop longtemps qu'elles sont sorties, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà ouais. Puis, de toute façon, on a des séries dont on s'en bat les couilles nous. Voilà, nous on est des malades, on tourne des séries, on les arrête, on fait ce qu'on veut de toute façon. Bah non mais ouais Tomb Raider ça s'est arrêté. Non mais parce qu'on a décidé d'arrêter Tomb Raider le let's play. Alors si certains y tiennent vraiment, mettez-nous un message gentil en commentaire de cette vidéo et on reprendra Tomb Raider. Mais vraiment on a vu le nombre de vues qu'on faisait et tout, on s'est fait bon, c'est que ça plaît pas quoi. C'est oui, pas qu'on oui, a quelque oui. chose à faire des vues, mais quand vous faites 10 vues sur une vidéo alors que nos autres vidéos font en moyenne 60 vues. Voilà c'est ça. Ça pose un... tu te dis bon. Bah nos vidéos code elles font quand même plus d'une centaine de vues donc bon... Ouais, quand on les met un peu en avant et tout, ouais, quand on les retweet et tout, alors que là, Tomb Raider, la dernière fois, je l'ai retweeté et tout exprès pour voir. Ah oui, non, mais même quand tu le mets en avant, Tomb Raider, c'est personne. Waouh, mais non, mais allez, vous faire enculer. De pute. T'es à terre? Bah oui. Ah merde. Moi, je faisais le kick. Mais il était où, ce chien, là? Tu te calmes, toi, calme-toi. Ah, faut que je me calme, mon voisin, il va me péter un câble. Tout va bien se passer. Alors, Mais non, mais ça me casse les couilles, là, putain. La putain de ta race. D'accord, je suis mort. Finis-les, frère, hein. Ouah, caméra embarquée et tout, j'aime trop ça. Caméra embarquée. Bah si, c'est ça, gros. Ah, merci. Caméra au point. Non, mais putain, mais ça casse les couilles, sérieux. La fistinière, caméra au point. Oh mais vas-y mais ta gueule mais... Et c'est... après on va avoir des questions. C'est quoi la fistinière? Putain mais tu te démerdes frère hein. Bah j'ai qu'une chose à dire. Google est ton ami. Non mais putain non mais arrête ça la fistinière. Oh mais le type il a plus aucune forme de respect quoi, c'est... Ah mais y'a rien, c'est juste un reportage. Et puis de toute façon nos machins ils sont 18+ donc y'a des avertissements. Un jour on va se réveiller. Ouais non mais c'est vrai en plus, c'est toi qui me l'as dit. Ouais. Ah ouais non mais oui, il y a normalement quand tu vas voir, il y a marqué enfin, c'est réglé ou nos vidéos c'est 18+ ou alors je me trompe mais il me semble que c'est ça. Il me semble que moi j'avais réglé les vidéos 18+. Non, parce que je connais quand même notre humour et je suis pas fou, je le sais. Mais après si vous êtes moins âgé, c'est pas interdit de regarder mais voilà, prenez ça avec au second degré, on va dire. Ne cherchez pas quand on dit des références comme ça. Surtout si celle-ci. Vous avez plus de 18 ans, cherchez, parce que si vous avez plus de 18 ans que vous n'avez pas vu ça, vous avez raté une partie de votre vie. Il serait temps. Ce reportage est mythique. Il serait temps d'épanouir votre sexualité. De toute façon, tout le monde sait, hein, donc fistinière, je vous fais le truc. Fistinière, cône de chantier, vous voyez le truc. Voilà, allez voir. La chapelle fistine. Oh putain, mais alors ça. Pardonnez-moi mon père, mais j'ai fisté. Ah putain, il est sale. Oh, alors c'est... attends, parce que moi contre, je suis mal là. J'ai plus de balles, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Je suis à poil. Ouais, moi aussi. Oh merde, salut. Oh merde, j'ai même pas. Putain. Heureusement qu'ils sont putain, pas, je lui... pas trop réactifs. Ouais. Ouais, heureusement qu'ils sont pas bons. Heureusement qu'on dirait moi quand j'ai un Goliath quoi, parce que. Autrement, c'est compliqué. Alors, tac, clac. Ok. Statistique de l'exo. Clac. Non, mais en plus, qu'on dit, on est pas pire que d'autres. Hein. Il y en a qui font bien pire que nous. Ah ouais, non, mange 10, on est bien là. On est sur une. Les gars, likez la vidéo si vous trouvez que ça suffit hein, pour ce qu'on a à vous dire. Ah oui, de toute façon, oui. Non, mais de toute façon, vous êtes sur une chaîne de. En fait. Au début, on s'est dit, bon, on va faire une chaîne de let's play, machin, rien. Mais en fait, notre truc, c'est l'humour sur les jeux vidéo. Non, mais c'est vrai, c'est raconter notre vie et déconner sur les jeux vidéo. C'est pas du truc. Ah, bah oui, c'est clair. Genre, bah... si vous voulez des tutos et des trucs comme ça, faut pas venir. Si vous voulez, ouais. Faut pas venir. Venez pas, ça sert à rien.
Nous, on vous demande conseil, nous. Commentez, conseillez-nous, les gars, on sait pas jouer. Bon, il est où ce fils? Bah, c'est le Warbird. Je sais pas si la tour elle marche. Non, elle marche pas. Je m'en serais douté. Moi, je lui tire dans la queue, moi. Tu tires dans la. Aïe, aïe, waouh, j'ai morflé, frère. Tu tires dans la queue. Et fais gaffe, on n'est pas au bois de Boulogne. Ah, mais parce qu'il y a des ennemis en plus, ouais, d'accord. Aïe! Waouh! Bah oui, waouh! Il y a des ennemis comme ça! Waouh! Waouh, putain! Waouh! 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 What? Je suis mort. YMCA? T'es mort en intérieur ou en extérieur? Dis-moi que c'était en extérieur. En extérieur? Oh, putain. Ouais, je suis plus un mec d'extérieur. Ah ouais, t'es comme ça. Toi, le jardinage, c'est un petit peu ta passion. Ah, Marcel? Ton émission préférée, c'est Silence, ça pousse. Ah ouais, silence ça pousse et... silence ça pousse et il est même pas assis sur un tronc de grille. Oh putain, une grenade qui se dégage. silence ça pousse, mais c'est une émission sur quoi? Sur les plantes. Mais moi je la regarde là. Et je fais caca. Oh oui, Rodarius. Mais attends, c'était... Rodarius. Tu sais que le jeu m'a littéralement troll, mon gars. J'arrive, je me mets dans un coin et bien sûr il y a une grenade qui roule vers moi, quoi. Bien sûr, elle oh, peut pas... ça y est, il se plaint. Elle peut pas rouler vers autrui. Il se plaint. En tout cas, qui c'est qui était en train de se toucher la bite? Putain, tout le monde veut notre projet sur Twitter. Hein. Tout le monde veut y a quoi? Il y a Eva qui nous a retweet. Et qui a ajouté le tweet en fave. Merci à elle si tu regardes cette vidéo. Au passage, Eva, Killeuse33. Merci à vous tous d'ailleurs de ceux qui nous suivent. Non non, bah ceux qui nous suivent pas sur Twitter, qui favent pas et tout, on non, les baisse. Même... non non, mais ceux qui font pas partie de la communauté Twitter, ils vont se faire enculer franchement. non, merci à tous, c'est vraiment sympa, on a plus de 800 abonnés là, ça nous fait bien plaisir. Ouais, c'est vraiment cool. Bah d'ailleurs pour une fois cette vidéo sera pas en décalé parce que j'étais mort de rire dans ta vidéo de Evil Weevil, je sais plus, t'étais là. Merci d'ailleurs à nos 173 abonnés. J'étais là. 173 abonnés, c'est pas possible. Non non, mais un truc comme ça, genre pas beaucoup, genre 273 ou machin. Ah bah là, bah oui, parce que le premier Evil Weevil, je l'ai tourné vachement en avance en fait. Ouais, tu l'as tourné il y a vachement longtemps, donc du coup ça se sentait, tu vois, ça se voyait les Ah ouais, grave. Non non, bah ouais, c'était. Du coup là, ça bon, va... qu'est-ce que cette vidéo sortira dans les temps. La vidéo elle dure combien de temps? La vidéo dure 22 minutes. Oh, on va peut-être pas en refaire une, ça va encore faire une vidéo trop longue après, non? Ouais, je sais pas. Le problème c'est que ça va faire une vidéo de 40 minutes et quelques et les gens ils nous ont dit 40 minutes de survie. Ouais, ça risque d'être un peu lourdingue, hein, franchement. Ouais, bon, allez. Écoutez, de toute façon, on va aller enregistrer direct notre projet après là. Ouais, chaud. On est bouillant, on est chaud patate. Ah, chaud comme la braise. Alors là il y a du là il va y avoir du là il va y avoir du non talent, pas du talent mais du non talent. Ah ouais, là non, par contre absence totale de skill, hein, je tiens à le préciser comme c'est important. Montrez pas ça aux plus jeunes, hein, ça pourrait leur faire saigner les yeux. Ça pourrait donner de mauvais exemples. Ni aux personnes âgées, ne montrez pas ça aux grands-parents, hein. Même les grands-parents vont se foutre de notre gueule, quoi. Hein. C'est clair. Attends, mais là il avait son ulti, pourquoi il a pas flash? Oh, rien qu'en prononçant ce langage, les gens vont comprendre. Tu en as trop dit. Mais c'est pas grave, mais de toute façon, gros, c'est sur nos Twitter, espèce de bide. La plupart des gens qui regarderont cette vidéo, ils nous connaissent de Twitter. Chut, silence, arrête, c'est pour le teasing. c'est pour le teasing, ouais. On va, t'aimes bien teaser, toi. Ouais, moi j'aime bien teaser, moi. Si non, je l'ai déjà fait celle-là. Ouais, tu l'as déjà fait. Non, mais t'es redondant comme mec, t'es chiant. Bon, allez, j'arrête la coopération, ciao. Oh, ferme ta gueule. Moi j'ai des gens sur Twitter qui disent que je suis trop bien et tout, machin, ouais, et ben, toi t'en as pas. Même tes abonnés Twitter, ils viennent dire ça sur ton mur, ils viennent dire, mais Jésus, c'est le king. Et c'est quoi, ils ont raison. Et moi je te baise. Mais moi j'ai des firsts sous mes vidéos, alors ferme ta gueule. ouais, non, je peux pas lutter là. Là, je peux pas. Non, je peux pas lutter. Ah, là, il y a du. Allez, les abos à Roda qui mettent first sous ces vidéos, comprenez que vous serez les seuls à commenter. À part si ma copine décide de venir se foutre de sa gueule et qu'elle dit qu'il a une voix de merde. Mais autrement, vous serez les seuls donc. Non, mettez pas first, mettez the only one. Il y a des gens. I'm the only one. Non, faut pas que je chante des Beatles, c'est ça. Ouais. Faut pas que tu chantes tout court si tu veux pas assassiner les gens. Et oh, la dernière fois que j'ai fait Shimen Badi, tout le monde a kiffé. Ah, non, Amel Bent. Ouais.
Amel Bent, ouais, je te mets une badie à Amel Bent, c'est pareil. On Tu peux dirait des nous en cousines. re... On dirait des cousines. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé, levé les yeux, levé la tête, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Viser ta lune, ça me fait plus peur, même à l'usure, je me fais. Ah! Non, stop, arrêtons, arrêtons. Les gens vont nous tuer, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils racontent? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, mon fils. Jésus fera une prière pour vos oreilles. Ouais, Si elles ouais. aussi ont dû saigner. Non, non, mais regardez pas nos vidéos en fait, parce que si vous regardez nos vidéos, les yeux vont saigner, les oreilles aussi. Enfin, c'est la fin. Ça Tout va couler partout, c'est dégueulasse. votre anus va saigner. Bon, allez, on va peut-être mettre fin à cette fin de vidéo. Pourquoi j'ai dit ce machin? Je sais pas. Bon, allez. Bon allez les amis, on vous Faut pas laisse. avoir d'hémorroïdes, hein. Ben comme disait un célèbre punchliner, si t'entends. Il arrive même pas à le dire, ce coup. Si t'entends ton cœur battre dans ton cul, c'est que t'as des hémorroïdes, mon pote. Allez. Bon, allez. Ça suffit. Allez, bisous à tous, portez-vous Ciao. bien et à la prochaine. Ciao.